Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une recette hyper facile qui va avoir un succès fou auprès de vos amis. Nous allons réaliser une crème brûlée au foie gras. Donc pour réaliser cette recette, il va me falloir 25 cl de lait, 10 cl de crème liquide, 2 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de sucre, 200 g de foie frais et un mixeur plongeant. Donc pour commencer cette recette, je vais prendre un pichet, toujours facile, je vais mettre mon lait, mes 10 cl de crème liquide, mes deux jaunes d'œufs, du sel, du poivre, la valeur de 2 cuillères à soupe de sucre. Je ne vais même pas les mettre, vous voyez, je vais en mettre qu'une, ça suffira. Je vais mettre mon foie, compter à peu près 200 grammes, c'est bien. Mon mixeur plongeant. Et je mixe. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Maintenant, je prends un autre récipient avec une petite passette et je vais filtrer mon appareil. Il y a toujours des petites impuretés dans le foie, donc je préfère le passer. Et là, j'ai un appareil bien lisse. Maintenant, je vais mettre mon appareil dans les moules pour la cuisson. Tout simple, je remplis. Bon, les proportions que je vous ai données, vous voyez, ouais, c'est pour 4 ramequins, 4 personnes. Je pensais faire plus, mais non, mais c'est très bien, 4. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma plaque dans le four, que j'ai préalablement mise à chauffer à 100 degrés. Maintenant, je prends une carafe d'eau et je me sers de mon plat pour faire un bain-marie. Voilà, je mets le moule d'eau à moitié, je ferme et je laisse cuire 25-30 minutes. 25-30 minutes, on va regarder, il faut que ce soit tremblotant et la crème sera prise, il ne restera plus qu'à la mettre au frigidaire et le lendemain, quand elle est bien froide, on va le faire après, on va la brûler. Le lendemain, mes crèmes brûlées sont prêtes à être brûlées. Donc, pour cela, je vais préparer un mélange de sucre et de piment d'Espelette. Mes crèmes froides qui sortent du frigo, je les saupoudre de mon mélange. Je crois que le mieux encore, c'est comme ça. Donc, je vous rappelle, sucre, piment d'Espelette. Après, vous doutez bien ce qui va se passer. Je vais prendre mon brûleur. Si vous n'avez pas de brûleur, vous le mettez sous le grill dans votre four. Voilà. Moi, je dispose d'un brûleur. Je vais brûler mes crèmes. Voilà, tout simplement. Voilà, ma recette est terminée. Je n'ai plus qu'à déguster.
contraste du sucre croquant et chaud avec le piment d'Espelette et la crème froide, c'est fort sympathique. Ça devrait plaire à vos amis. Je vous souhaite un bon appétit. Allez, chat.